Protagonists struggle. Ouais, du coup, moi je suis dans mon dans la pièce près de mon salon parce que la wifi de ma chambre a fonctionné archi mal. Du coup, pour être connecté bien à Discord, c'est mieux que je pour reste. Pour être en connexion avec le monde. C'est ça. Vous avez vu, ils ont sorti la PS5. 400 boules. 400 boules, hein. Bah, 400... ça va en vrai. Ouais, ça va, mais là ça me fait chier parce que en fait il y a tellement d'influenceurs qui partout donnent de la PS5 que j'ai envie de l'acheter, mais je peux pas l'acheter du coup. C'est relou. Cyberpunk, ouais, sans son PS4 aussi, ouais. Ah ouais, non, j'aurais eu trop le seum. J'attends ce jeu depuis tellement longtemps. PS5, il y a. La PS Vita. La PS Vita. La PS Vita et la PSP, Cyberpunk. Oh, mais il y a le jeu GTA aussi qui va sortir sur PS5. Le jeu GTA. Ah oui, GTA 5. Il y a quoi déjà comme quelle bande d'escrocs. Il y a un des deux frères qui a démissionné, celui qui faisait les scénarios là. Ah ouais, ouais. C'était deux frères qui faisaient GTA, enfin qui faisaient les créations artistiques de GTA. Les frères Hauser. Et David Fincher qui vient de le remplacer à Skip. Darlis, t'es enculé là. David et Fitch. La vie. Et il me saoule. Mec, fais du cinéma. Va au cinéma là. On s'en fout de Netflix. Bordel. Mais c'est bien, wesh. Tu veux une saison de Mindhunter ou pas, mec? Il y en aura pas, c'est trop cher pour Netflix, ils ont dit. Il vient de signer un deal de 4 ans. Des deals pour des films, mais pas pour Mindhunter. Mindhunter, pour l'instant, c'est écarté. Il va faire un documentaire sur sa vie. David mais en Fincher, vrai, j'ai hâte de voir Manque. En vrai, j'ai hâte de voir Manque. C'est vrai que c'est dommage de pas le voir au cinéma. Bah ouais, ça fait 6 ans, les mecs, depuis Conan, on l'a pas vu au cinéma, David Fincher. Ça fait long, quoi. J'ai même pas vu au cinéma, moi. Mais on va pas le voir au cinéma. Bah, pendant, ouais, bah, pendant. Ouais, mais. C'est dommage de pas voir sur grand écran, quoi. Sur grand écran, quoi. Moi, je vais regarder sur mon iPhone. Ah, le bâtard. Tu regardes sur Apple Watch. Peut-être comme ça. Tu peux te faire tuer par un truc comme... Satan, c'est Oldman, ça, ou je rêve? C'est qui? En plus, il y a Charles Dance aussi dedans. Celui qui fait Tywin Lannister. Du coup, je suis doublement hypé. Il joue dans plein de trucs, Charles Dance. Mais il avait joué dans le deuxième Godzilla. Dans Ali G aussi. Ah ouais, dans Ali G. Tu la connais pas, cette séquence où il danse en robe, là? Ah si, ça me dit un truc. J'ai jamais vu Ali G, mais j'ai déjà dû voir une vidéo de Charles Dance en train de danser avec une robe. Faut que tu regardes Ali G, mec. Il y a une scène où il rencontre Borat, c'est marrant. Ah oui. Ali G qui rencontre Borat, ouais, dans un truc. D'ailleurs, on met la séquence maintenant. This is Borat from Kazakhstan. Yerk Smash. Bless you. It is nice to meet you. Get off your butty butt. Oui, on peut faire ça, on s'en bat les couilles. Il prépare le montage, il est trop fort là, putain. Je suis là. Oh là là. Et qu'à chaque fois qu'il abuse, qui sait qui va pas faire le montage, je fais d'ailleurs maintenant, là, ici une vidéo de. Vous me mettez dans Interstellar, dans la scène du tournoi. Là, il y a Matt Damon.
Putain. Est-ce qu'on donne le titre quand même du truc ou pas? Genre on oui, bien commence sûr. Comme ça ou on Allez. Fait une intro? Non, vas-y, mais... fais-la, Abel. Abel, fais-la. Je sais que tu. Allez, bonjour à tous, ton F Talk Show. La toute nouvelle émission de Faction. Sur F Talk Show, on va parler de l'actualité, on va parler de nous, on va parler de nos projets, on va parler de notre futur. On va parler. C'est ça la base du truc, c'est parler. Et aujourd'hui, comme premier invité, on a Théo Dikoumé. Ouh, je sais pas où il est, là, on va dire, il est là. Le dab est né plus existant depuis 2016, mais je le fais quand même. On dab. Je fais que dabber. Comment Bonjour. Ça va, Théo? Bah, ça va très bien. Ça va très bien, ce confinement. Les cours, c'est dur. C'est ouais, ça va. Non, en vrai, ça va. Et puis, je regarde des films. J'écris beaucoup. Je rattrape mes cours, etc. Non, ça va, je me fais pas chier, en vrai. Ah bah, c'est super. Ouais. Et vous, ça va? Merci à tout le monde. Il y a les cours, là. Ouais. Bah ouais, putain. Ouais. En plus, bon, ça va parler à tout le monde, mais... bon, la fac, c'est pas... Niveau organisation, ils ont pas... Bon, ils y sont là maintenant, ils ont commencé à gérer cette semaine, mais il y a une semaine, j'avais aucune nouvelle, quoi. J'étais dans le flou total. Moi, j'ai toujours pas le moment, mec. Dénonce maintenant. Baladé, là. Baladé, là. En plus, c'est pas lui. Baladé. Attends, c'est ballot. Non, c'est ballodé en plus. C'est ballodé. D'accord, je pensais que t'allais faire un. C'est ballodé. Ouais, c'est ballodé. Ballodé, ouais. Mais en plus, il connaît même pas le nom de son président depuis 4 ans. Bah, c'est toujours lui d'ailleurs. Est-ce qu'on l'a déjà vu une fois même ce mec? Non, il est plus les démissionnés. Ah. Ouais, il a démissionné. Ballodé démission, ça a marché alors. Ballodé ouais, démission. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous en rappelez, ils avaient créé un jeu. Je sais pas si Abel il est au courant, ils avaient créé un jeu avec Ballodé dedans et c'était marrant. Ah oui, vous m'en avez parlé, vous m'avez montré. Ah, ils sont créatifs, Nanterre, hein, t'as vu. Oh putain. C'est la fac de la création, de la créativité. Créativité. Ouais. Et bah écoute, ouais. C'est super. Sinon, t'as vu quoi comme film là ces derniers temps? Hier après-midi, j'ai vu La Chasse de Thomas Vinterberg. Avec Mads Mikkelsen, on dit d'ailleurs. Mikkelsen, ouais. Et incroyable ce film, je le conseille. Parce que du coup, j'avais vu Drunk au cinéma juste avant le confinement. J'avais trop kiffé. J'avais bien aimé. Et du coup, bah, j'avais m'étais un peu intéressé à la carrière de Vinterberg. Si... Ouais, c'est ça, c'est Vinterberg. J'ai emprunté le film La Chasse à la fac, à la vidéo de la fac, et du coup, bah, je l'ai regardé hier après-midi, et c'est un excellent film. J'ai même préféré à Drunk, d'ailleurs. Et non, damn. Et non, ouais, regardez-le, Mads Mikkelsen. Combien de films il a fait, Vinterberg? Ah, il a dû faire 7-8 films. Ah, et pareil, il vient du même groupe que Lars von Trier, vous savez, le Dogme... Dogme Covenant. Le Dogme 91, je sais plus si c'est ça, bref, c'est le... 9-1 représente. Je sais plus si c'est le... Lilian, on est là. Je sais plus si c'est le Dogme 91, mais en tout cas, ouais, c'est le même groupe que Lars von Trier. 51, je crois, mec. Ouais, attends. Dogme 51, voilà, je sais qu'il y avait un 1 quelque part. Ah non, 95, on était 95, complètement... ok, bon, bah, il y avait le 9 quand même. 9-5. Il y avait quand même le 9, c'est 9-5 représente Abel, c'est pour toi. Moi, c'est 7-8. C'est lui qui a fait, qui a créé avec Lars von Trier le Dogme 95, et du coup, il a fait un film du Dogme 95 à Vinterberg. Mais les deux, maintenant, ils font plus du tout ça, quoi. Ils l'ont dit plusieurs fois, quand tu vois La Chasse ou quand tu vois un film comme Mélancolia, ça n'a rien à voir avec le Dogme 95, quoi. Et du coup, je conseille La Chasse. Voilà. Attends juste un peu de contexte parce que la plupart des gens peuvent pas savoir en fait ce que c'est le Dogme 95. C'est un délire de règles je crois pour faire un cinéma genre le plus le plus réel possible, et en gros il y a différentes règles genre t'as pas le droit de mettre des effets sonores en montage, c'est le tournage doit se faire sur place.
Genre, ouais, voilà, et genre, ça devait être porté à la main, caméra et tout, etc. Et genre, c'était hyper chiant. Et je crois que le créateur, c'était bah, Lars. C'est Lars von Trier, Thomas Winterberg, et il y a un troisième mec, je sais plus c'est qui. Non, je crois qu'il y avait que Winterberg et Lars. Ah ouais, je crois qu'il y a que eux deux. Si. Mais je crois que ils avaient fait... le dogme, il était tellement galère qu'eux-mêmes, ils l'ont pas respecté à la fin. Ah ouais, ouais, c'est ça. Genre, ils ont fait, je crois, ils ont fait que un film chacun du dogme, et après, ils ont fait, wow, c'était bien, mais bon. Je pense que c'était plus un délire. Mais vous savez, il y a encore des films aujourd'hui qui sortent et qui sont sous le dogme 95. J'en ai vu, genre j'ai regardé et tout. Il y a même des films de 2018 et tout qui sont sous le dogme. Mais du coup, Lars von Trier et Winterberg, ils sont plus dedans, quoi. C'est un délire danois. Hein. Mais en ce moment, je suis en plein film danois. Je regarde plein de films de Lars von Trier, de Winterberg. Putain, ouais, film danois. Ouais. Film danois, j'en connais pas beaucoup. Bah, il y a Breaking the Wave qu'on avait vu en plein. Breaking the Wave, c'était. Breaking the Waves, j'avoue. Bah ouais, mais même dans Sorry of the Dark, c'est un film danois. Mais après, c'est anglophone, mais c'est un film danois. Quoi. C'est considéré comme un film danois parce que c'est Lars von Trier qui est danois. Lars. Et je crois qu'il l'a produit avec des productions danoises. Je suis pas sûr. Mais il y a aussi. Je vois là, il y a Nicolas Winding Refn qui a fait aussi des films. Enfin, bah, lui, c'est un Danois. Ouais. Bah, lui, il a fait les Pushers et tout au Danemark, mais après, il est parti aux États-Unis bah, comme les trois. Hein. Enfin, que Winterberg qui fait des films danois encore, mais sinon, Lars von Trier et Nicolas Winding Refn, ils font plus des productions américaines. Ouais. Isabelle Huppert. Est-ce qu'on peut parler d'Isabelle Huppert, s'il vous plaît? Elle me saoule. J'en ai trop parlé pendant toutes mes années de fac, un peu plus. C'est bon, ça va. Hein. Elle me saoule. Ça suffit maintenant. Oh là là. Mais d'ailleurs, moi, il faut que je me fasse une rétrospective Paul Verhoeven et du coup, regarder le film Elle. Genre, regarder tout ce qui est Robocop, Total Recall, tout ça. Apparemment, il est trop fort, ce mec, et ça m'intéresse de regarder un peu ce qu'il a fait. Toi, c'est quoi tes réalisateurs préférés, tes réalisateurs qui t'inspirent le plus? J'adore Robocop. J'aimerais savoir. Parce que, en vrai, je ne t'ai jamais posé cette question, je ne te connais pas si bien. Genre, il en donne combien? Il en donne plusieurs? Mais quel comédien celui-là alors? Je ne t'ai jamais demandé. On se connaît depuis 20 minutes environ. Il n'y a pas de. Bah, non, mais bon. Je dis tellement haut et fort qui j'aime en tant que réalisateur que tout le monde le sait. Même les gens qui ne connaissent pas, ils le savent qui j'aime. Non, bah, pour moi, le mec qui m'a fait rentrer dans le cinéma de manière plus approfondie, c'est Spielberg, on va dire. Mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Parce que du coup. Ah non, pas toi. Ma première claque quand j'étais petit, c'était Le Soldat Ryan. Je me rappelle et tout. Et du coup, bah, j'ai commencé à regarder des films de Spielberg et tout. Et c'est vraiment dans l'adolescence que j'ai découvert vraiment Tarantino. Et depuis, bah, c'est le GOAT pour moi. Juste pour revenir vite fait sur Spielberg, faut sauver le soldat Ryan. C'est quoi genre le moment dans le film où tu t'es dit, oh, putain, j'ai envie de faire du cinéma là. À quel moment, tu vois? Ah ouais, c'est la scène du... Enfin, la scène du Dark Moment, elle m'a frappé de ouf. Mais le moment où... je crois que c'est un plan, en fait. J'ai fait waouh. Genre, vous savez, c'est le plan final du film où quand Matt Damon, il est jeune et qu'il y a un effet visuel où on voit, en fait, que c'est le vieux du début. Et j'ai fait... Ah, c'est incroyable. Ah. Et du coup, et je pense que ça m'a grave frappé, ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire, toi. Ouais, tu t'es dit, putain, en fait, c'est tellement large, en fait, c'est tellement ouais, de trucs à faire. Ouais, mais tout le film, en fait, ça m'a frappé. Genre, tout le film m'a mis une claque. Et en plus, j'étais jeune quand je l'ai vu, je crois. Bah non, j'étais jeune, enfin, j'avais quoi, j'avais 12 ans. Ouais. T'es jeune pour le film, quand même. Ouais, ouais, grave. la scène du débarquement, il faut être costaud, hein, pour la regarder. Ouais, il y a des trucs, quand on regardait quand on était jeune, aujourd'hui, on se dit, putain. Ouais, grave. T'as l'impression que, alors que à cet âge-là, à 12 ans, déjà, dans ta tête, c'était déjà, ça te choquait pas, tu vois, dans ce barème d'imaginer. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Et je me rappelle même, et puis je me rappelle le lendemain ou le surlendemain, j'avais dû voir pour la première fois Titanic. Waouh! Et c'est là qu'a commencé aussi mon amour
pour DiCaprio. Hein, voilà. Et puis le lendemain d'après, j'ai regardé Scarface. Vous voyez quand même la semaine de... La semaine rien de... à voir. Et j'ai fait le grand écart, Scarface. En fait. J'ai fait le grand écart. Voilà. Titanic, putain. Ouais. Titanic, j'ai toujours regardé le film et je me suis dit... Là, le bateau, il va pas couler, là, quand même, parce que ça, ça fait trop. Parce que, genre, t'as toujours un espoir, genre, bizarrement, ouais. Tu te dis... Là, il va bien tourner le bail et on va éviter, tu vois. Mais non, tout le temps, c'est la même chose. C'est vrai qu'en fait, la première fois... Parce que la première fois qu'on a vu Titanic, on savait pas, on connaissait pas l'histoire. Enfin, moi, j'étais petit. Je crois que j'avais 9 ouais. ou 8 ans, tu vois. Je me note, tu sais, j'étais... Je me demande comment ça va finir, cette histoire. Ça finit bien, j'espère. Ils terminent leur bail. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ça, elle est de sympa, ouf, Rose. Frère. J'espère qu'elle va, elle va bien vivre. J'espère qu'elle va se marier avec DiCaprio. De ouf. Ils sont partis au Center Park après, au calme. Ils se sont fait une petite talasso et puis fin du film. Mais ouais, putain. Mais du coup. Il y avait une place ouais, sur le radeau. Il y avait une place sur le radeau. Hein, je pense il y avait une place. Mais tout. Mais tout le monde. Il y avait une place, on se plaît de radeau de merde. Connasse. Au-delà du radeau, il y avait d'autres bouts de bois, je sais pas moi. Tu... Enfin, je sais là, pas. Mais c'était plus symbolique l'idée de le faire mourir. Quoi. En mode, il se sacrifie mais... pour ça. J'avais lu une théorie sur un site ou je sais pas quoi qui disait que DiCaprio en fait il existait pas trop dans le en tant que personnage réel et que c'était genre plutôt genre un ange gardien ou un truc comme ça qui était là et en gros ils disent voilà il y a plusieurs moments où il parle pas avec ses personnages ou nanana, enfin voilà quoi, plusieurs théories. J'avais dit c'est intéressant mais c'était de la merde je trouve, enfin c'était pas logique quoi. En vrai c'est intéressant mais bon comme le mec on le voit parler avec d'autres personnages que Rose du coup c'est pas trop cohérent mais c'est intéressant comme théorie et ouais et du coup à part Tarantino je dirais Scorsese et récemment et je pense ouais comme là je suis dans le cinéma danois je vais dire Lars von Trier. Damn ouais alright ouais, je pense que c'est peut-être mes trois réalisateurs préférés je pense. Ah non putain. Excusez-moi. Je suis obligé de parler de David Lynch aussi. Voilà, c'est tout. David Lynch. Voilà. Putain, j'ai vu, t'as commencé à taper ça cette année. Hein. Ah ouais, pareil, je me suis fait un cycle David Lynch. Putain. Lost Highway, son meilleur film. Voilà. J'ai regardé, là, il n'y a pas longtemps, Blue Velvet. Mm. Alors que je savais pas que c'était en lien avec Twin Peaks. C'était un espèce de prequel, enfin... Oui, ah, c'est pas un prequel, c'est pas un prequel à Twin Peaks, c'est Blue Velvet. Blue Velvet, c'est juste même... Non, ça n'a rien à voir avec Twin Peaks. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a Cal MacLachlan. Mais Mais moi j'ai vu qu'il y avait des références comme quoi... à la fin de Blue Velvet, il y a l'oiseau qui fait référence au premier épisode dans Twin Peaks quand on voit l'oiseau. Et puis il devient enquêteur dans Blue Velvet à la fin. Enfin, et du coup, c'est comme dans Twin Peaks, il devient enquêteur. Tu vois, à ce qui paraît, il y a plein de liens. Ils disent que c'est un prequel de Twin Peaks. Après, moi, j'ai pas vu Twin Peaks. Donc, je peux pas savoir. Mais c'est vrai qu'il y a des liens et tout, même dans les scènes et tout. Il y a beaucoup de liens à Twin Peaks maintenant. Mais je pense que c'était plus une sorte de. Pas de préquel, les histoires n'ont rien à voir entre elles. Mais je pense que ça a été un film qui lui a préparé à Twin Peaks, je pense, ouais. Mais Twin Peaks, faut commencer vraiment, mec. Dès que t'as le temps, regarde Twin Peaks. Faut que je termine Les Sopranos. C'est la daronne des séries télévisées d'aujourd'hui. Les Sopranos, sur écoute. Les Sopranos que je revois encore, moi, une troisième fois. Tu revois là T'es à quelle saison peut-être tu m'as rassuré Saison 1. Saison 1 Putain, Abel. Abel, je suis content. Mais je pense que. Abel, toi, c'est Sopranos. Stéphane, c'est Breaking Bad. Et moi, c'est Game of Thrones. Bah, moi, les gars, ça va faire la sixième fois. Là, j'ai commencé cette semaine que je reprends Game of Thrones. Ouais, désolé, les gars, j'abuse. Bah, moi, j'ai une fois. Non, là, c'est trop. Non. Même, attendez, non, pas 6 fois, là. Pas 6 fois, 5 fois, 5 fois, je me calme. Ah bah ça va. 5 fois, toi, 5 fois. Mais ça manquait trop. Moi j'ai regardé Game of Thrones, je l'ai refini là une deuxième fois encore. La fin ça passe toujours pas pour moi. Ah merde. C'est toujours trop brut, c'est trop soudain. J'ai essayé de comprendre en fait, j'ai essayé de me refaire pour me dire que, tu sais, pour comprendre la fin et me dire ok, bon c'est vrai que sa meilleure amie elle est morte et tout ça. Tu vois, c'est ça qui l'a poussé à bout, mais. Pour moi, c'est trop, c'est... Tu vois, elle passe... En plus, tu parles de Daenerys
Ouais, Daenerys. Ouais, Daenerys. C'est surtout ce revirement, en fait, sur mais le... Mais le... Mais je pense c'est que... C'est vraiment ça qui me dérange. Mais en fait, c'est même pas la... Enfin, c'est même pas le fond qui est mauvais, c'est la forme, je pense. Je pense qu'il y aurait eu deux épisodes en plus. Mmh. Tu vois, qu'en fait, on aurait construit sa folie depuis des saisons, tu vois. Bah, en vrai, elle est construite, sa folie, quand même, à Daenerys, au fil des saisons. Enfin, on commence à la voir à partir de la saison 4 ou 5, il me semble, de ce que j'ai... La meuf, elle est des esclaves. Quoi, oui. Des esclaves. Et après, elle tout de suite. C'est vrai, peut-être que c'était montré, que c'était référé, mais c'était pas assez explicite. Genre, c'était là, mais c'était pas assez explicite, en mode de, oh... Peut-être qu'elle peut déconner, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis, en tout cas, personnellement, je me suis jamais dit ça. Et c'est vraiment à la fin, enfin, dans la dernière saison, où, genre, en l'espace de 3 épisodes, bah, ça ressort, en fait, d'un coup, genre, vraiment, vraiment. Et tu fais, wow, ah, ok, enfin, d'accord. Tu vois, genre, c'était. Ouais, c'était là, ouais, on peut, mais c'était pas assez là, quoi. Je comprends enfin, la brutalité de son geste, etc. Et le fait que ce soit très brusque. Mais. Autant je défends le fait que ça soit construit depuis quelque temps, dans le sens où même en saison 7, on a vu qu'elle était capable de tuer le frère et le père de Samuel Tarly. Elle les tue alors qu'elle aurait très bien pu les rendre prisonniers. Donc, on a quand même ça, ça a montré quand même. Moi, j'ai pas vraiment été choqué, j'ai fait ouais, bah ils veulent pas se mettre. Ça, c'était plus un angle politique, je trouve, ouais, alors mais là où tuer tout un village d'innocents, tu vois, sûr, c'est mais autre chose. Ça veut dire quand même qu'elle était capable, elle est capable, au fond, de des gestes extrêmes, ouais. Quand même. Et je pense qu'on l'a vu même en saison 5, épisode 3 ou 4, quoi, elle décapite un gars qui a tué des maîtres esclaves, et du coup, pour le punir, elle le décapite. Alors qu'elle aurait pu s'abstenir, mais du coup, pour montrer que c'est elle la leader et pour montrer qu'elle est chef et qu'on ne doit pas la trahir, elle le décapite. Donc, je pense qu'au fur et à mesure de la série, on a quand même montré qu'elle était capable des pires... Pas d'atrocités comme elle l'a fait épisode 5, mais je pense qu'il y a eu les bases quand même, petit à petit, de ce qu'elle pouvait devenir. Mais c'est vrai que bon, après, faut pas oublier qu'elle a quand même perdu son dragon, son mentor, sa meilleure amie, son armée, enfin son armée. Bon. J'avoue, elle a perdu sale. Hein. Elle a perdu sale. Il y a son mec qui veut plus d'elle parce que c'est son neveu, tu vois. Ça fait beaucoup là quand même. J'avoue que c'est chelou quand même. Dario, lui. Ouais. Lui, il est resté. Il est resté à Essos, ça... Ouais, il est resté pour gouverner. Mais du coup, en fait, ouais, j'imagine, tu vois, genre un mec qui arrive et qui fait... Ouais, en fait, bonjour, d'ailleurs... D'ailleurs, Daenerys, elle est morte. Qu'est-ce qu'elle devient? Il fait quoi? Il fait, bah oui, elle a détruit la capitale. Mais... Et... mais du coup, elle m'a envoyé avant pour régner, donc... Mais vous savez quoi? Parce qu'à la fin de la série, on voit le dragon, il emporte Daenerys. J'aurais persuadé que genre, dans 5, 10 ans, peut-être 20 ans, il y aurait soit une suite, soit remake. C'est obligé. Mais oui, dit qu'il y aurait une série. Il y aurait une suite, que sont-ils devenus? Enfin, je veux dire... Que sont-ils devenus? On le voit. Une version documentaire, tu sais. Sont-ils devenus? Ouais, c'est ça, mais enfin, la série, c'est la série la plus populaire, je pense, de l'histoire de la série télévisée, et je pense que les producteurs peuvent pas se passer de ça. Genre, même HBO peut pas se passer de ça. Ah oui, bien sûr. Bon, là, ils vont faire un spin-off avec House of Dragon, mais je reste persuadé que dans quelques années, il y aura soit une suite, soit un remake. Enfin, pas un remake, je pense, parce que... Ouais, le niveau était trop élevé, je pense, pour faire un remake. Mais le remake, je pense, il sera mauvais, le remake, je pense, s'ils en font un. Mais une suite, c'est sûr. J'étais un peu déçu qu'ils aient pas poursuivi la série Blood Mode, parce que ça, ils voulaient faire une série aussi spin-off sur la première longue nuit. Oui. Et bon, ça, c'est l'autre débat de la saison 8, c'est parce que du coup, on n'a peut-être pas eu assez de moments avec le roi de la nuit, et ça aurait été bien d'avoir... La série sur le monde. Ouais. Mais bon, tant pis. Peut-être que le projet... Après, moi, j'ai envie de te dire, j'ai confiance en... J'avais confiance en HBO concernant les séries genre qui commencent. Parce que ils vont pas balancer n'importe quoi. Genre, ils attendent toujours vraiment qu'il y ait une construction au début qui est assez,
assez conséquente et assez bien C'est ça. manœuvrée et tout. Avant de s'engager dedans et de le produire, tu regardes toutes les premières saisons des séries HBO. Franchement, elles éclatent de ouf. Enfin, je sais pas, Bah cite-moi genre une mauvaise série qui commence, genre saison 1, et tout le monde se dit, enfin une série HBO, et tout le monde ouais. se dit, oh, c'est un Non, peu mais c'est vrai moyen, que c'est un quand peu tu de la merde. regardes HBO, il y a toujours la première saison qui est incroyable. Euphoria, enfin Westworld, Game of Thrones. Toujours c'est incroyable de fou. Même des fois c'est tellement Exact. incroyable la première saison que ça devient un peu moins bien. Bon, on le voit avec Ouais. avec Westworld, quoi. La saison 1 était tellement incroyable que. Bon, saison 2 et 3 pour moi c'est encore super bien, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu perdu un peu de niveau. C'est cassé la gueule, enfin. Ah, je suis pas Mon point d'accord. de vue, Je suis pas saison 3. d'accord. Non, saison 3. Saison 3, ça s'est cassé la gueule. Ah, je suis Pour pas moi, ça s'est d'accord. vraiment cassé la gueule. Ouais, je comprends, que dalle. Ah, je suis pas d'accord. Mais après c'est vrai que c'est bah du coup c'est assez marrant parce qu'il y a aussi quelques fois où je trouve que ça allait super vite. Et par exemple le traitement de Dolores, je le trouve incroyable. Il y avait quand même des points intéressants. Oui. Ok, dans la saison 1, on avait un parc où on contrôlait les robots et tout, etc. Et que les gens faisaient ce qu'ils voulaient et tout, etc. Dans la saison 2, ça part vraiment dans un développement de la saison 1, en mode oh, c'est le bordel, on essaie de retrouver les morceaux du puzzle. Et dans la saison 3, ils sont partis genre en dehors, et pour montrer la manipulation des gens et de leurs données, comme Westworld, en gros, c'est un peu l'inverse. Enfin, genre, c'était bien amené, genre, ils arrivaient à déterminer le futur des gens en fonction de leurs données et tout. Et manipuler leur futur et tout, etc. Et franchement, j'ai trouvé l'idée, genre, grave intéressante. Et t'as oublié, il y avait Kid Cudi aussi qui était là. Ouais, mais oui, mais oui. Bah, Que... mais non, mais en vrai, c'est stylé avec Aaron Paul et tout, son histoire et tout, genre. Pour moi, ce personnage de Kid Cudi, c'était la même chose que dans Game of Thrones quand il y avait Ed Sheeran, tu vois. Ouais. Bon, après il a quand même plus qu'une scène quoi. Oui, il y a plus Ed Sheeran, de. c'était Il y a vraiment pas genre plus de le trucs. caméo pur, tu Head to a woman's kiss, for hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. Ah Alors oui, que Ed Sheeran, c'est le caméo pur. c'était vraiment Ah, le pur inutile. caméo. Et en plus, c'était vraiment pour faire plaisir à Maisie Williams, parce que c'est elle qui l'a réclamé. Et sinon, c'est plus un caméo. Après, ouais, tu dis, c'est vrai que bon, c'est plus un personnage un peu plus construit, quoi. Je te conseille Oz, Théo, je pense que tu vas beaucoup kiffer aussi. Oui, Oz, il faut oh que je commence, mec, mais elle me fait flipper ta série, mec. Elle me fait là flipper. là. Parce que. Ouais. Tu vas kiffer, je Non, pense que en te connaissant, tu vas en fait, kiffer. j'ai pas recommencé parce que j'ai vu 6 saisons. Ah. J'ai vu 6 saisons. Mais ouais, il faut que je commence. Il faut que je commence. Ça En se plus, regarde hyper vite. Ça se j'ai regarde vu hyper vite. qu'il y a plein d'acteurs de The Wire aussi dans la série. Ouais. Il y a J.K. Simmons Mais oui, mais oui. qui joue pour moi le meilleur méchant de série télé de tous les temps. Ouais. Calme-toi. Je le dis. Un truc de ouf ce que tu dis Mec, là. le balance, je Un le truc dis. de ouf ce que tu dis là. Non mais Calme-toi, J.K. mec. Simmons quoi. J'étais en sixième. Bon. C'est encore une série O, c'est interdit au moins 18 ans, j'ai vu en sixième, j'étais. Je le connais lui là. Mais ouais, c'est ça, je fais, mais attends, mais c'est le mec de Spider-Man, pourquoi est-ce qu'il est si méchant comme ça? C'est un Bon, nazi. après Norman c'est un mec un enculé quand même Norman. Ouais, Oui, pas mais enculé là, nazi non ouais, plus, pas mais. enculé nazi, là c'est vraiment nazi. Qui viole Ah. des gens et tout, tu Oh vois. putain, ouais, bon là c'est un autre délire, ouais, c'est un autre délire. Ouais, c'est un autre délire. Ouais, C'est c'est un un autre délire de ouf. délire. Putain. Et The Leftovers, ça doit être là aussi. Ouh. En fait, parce qu'on disait que la saison 1, enfin, moi, la saison 1 de HBO était toujours énorme. Je trouve que la saison la moins bien de The Leftovers, c'est la 1. Pour moi, toute la série est, bon, de toute façon, Oh, je peux pas te est un laisser dire chef-d'œuvre, ça. The Leftovers. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais pour moi, non, mais pour moi, toutes les saisons sont incroyables, tu vois, c'est énorme à chaque fois, mais la saison 1, c'est celle que j'affectionne le moins. Oui, c'est... Ok. En y repensant, c'est vrai, mais bon. Après, la série Stover, c'est une des rares séries où j'arrive pas à faire de classement des saisons. Finalement. Ouais, moi non plus. Qu'est-ce qu'il y a sur le vas-y, dis. Je suis La saison 1, elle est sublime. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je repense à The Leftovers, je repense à des épisodes de la saison 2 et 3. Moins c'est la saison Pour moi, la 1. photographie des saisons 2 et 3, elle n'a rien à voir avec la photographie de la saison 1. Bon, là, je suis d'accord. Je suis Les d'accord. plans, surtout la saison 3, il y a des plans, mais qui a tout coupé le souffle, quoi. Ouais. Je suis d'accord, Dans le complètement. désert, enfin, en Australie, les plans là-bas. Franchement, oui, ils se sont lâchés visuellement à partir de la saison 2, mais je sais pas si c'est parce que
Saison 1, c'était genre adapté du livre qui était écrit. Et après, saison 2, ils se sont dit, bon, on va se lâcher et tout. C'était ça, ouais. Et puis, on va se lâcher visuellement, ou est-ce que... Tu vois, ouais, c'était ça. La saison 1, c'était adapté du livre. La saison 2 et 3, c'est Lindelof qui a fait son truc, quoi. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais c'est ça, parce que vous me disiez que... Ah oui, c'est ça que vous me disiez quand j'étais en train de regarder la série. Vous me disiez que la saison 2, c'était limite pas un remake, mais ça a rien à voir avec la saison 1, quoi. Enfin, pas rien à voir, mais je veux dire. Ouais, c'est un. Il y a un vrai pont qui s'est fait entre la saison 1 et 2, quoi. D'ailleurs, c'est le lieu de la série, pendant que le cœur de la série, il change complètement entre la saison 1 et 2, quoi. Exactement. La saison 3, elle a plus de lien avec la saison 2. Mais c'est vrai que c'est nouveau départ. Mon seul petit point de déception de la série de Leftovers, c'est qu'on voit pas assez Liv Tyler. Voilà. J'avoue, on dirait qu'ils savaient pas quoi faire avec ce personnage. C'est le feeling que j'ai eu. Au début, ils ont essayé de développer un truc et on l'a suivi depuis la saison 1. Mm. Et puis sa finalité, elle est arrivée brusquement. Après, est-ce que ça veut dire quelque chose en soi? Mais je pense que Lindelof, quand du coup il a fait la saison 2. Parce qu'on l'a même vu, genre, il a mis de côté plein de personnages et tout. Il s'est concentré vraiment sur Nora Durst et... Ouais. Comment il s'appelle? Ouais, mais ça, c'est Kevin Garvey. Kevin Garvey, je sais plus si c'est Kevin Garvey. Ou Justin. Et du coup, il s'est vraiment concentré sur le couple, du coup, plus le frère qui est pasteur, quoi. J'aime bien le fait que leur relation soit la base de la série, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Et bien, justement, fin, c'est pour ça. Tu vois, c'est vraiment les deux, les bases du... Ah non, arrêtez, j'ai pleuré parce que je repense à la scène. Ah oui, oui. Ah là, c'est incroyable. Max Richter, les gars. Ouais, Max Richter aussi. Max Richter. Ah oui. Max Richter, les gars. Ouais. Je chiale. Ouais. Extrait de la musique. On n'a pas les droits, on n'a pas les droits. On va se faire Ken, t'es malade. Non, mais je pense que ça passe mieux en fait quand tu mets des extraits de musique, de films, de séries que des extraits de vraies chansons. Mec, juste le violon. Il y aura le bot YouTube qui va chialer. Copyright. On mettra un extrait d'une seconde. On invite les gens à écouter parce que c'est d'écouter tous les trucs de Max Richter, parce que le mec, c'est un compositeur dans l'ombre, tu vois. C'est-à-dire que le gars, c'est un putain de génie, mais il est dans l'ombre, tu vois, et il est pas aussi connu, enfin, oui, il est pas aussi connu que genre Hans Zimmer ou d'autres personnes, tu vois. Ou John Williams. Ouais. Mais tu vois, il est dans l'ombre, il est tapis dans l'ombre, il sort sa musique et il sent pas les couilles, tu vois. Bah après lui, il fait pas que des films, il fait vraiment des albums et tout, de style de musique. Il a vraiment, enfin, c'est pas que un compositeur de musique, quoi, comparé à Hans Zimmer ou John Williams. Ah oui, il a fait la Ad Astra. Ouais. Oui, Ad Astra, que t'as pas aimé, Sofiane. Ad Astra était magnifique aussi. Ad Astra, c'est de la merde. Mais la musique, Ad Astra, c'est de la merde. D'ailleurs, j'ai vu cet été, en parlant d'Ad Astra et de James Gray, j'ai vu The Lost City of Z. Qui est trop bien. Ah, j'adore ce film. Il est trop bien ce film. Il est trop bien. T'as vu la fin, comment elle est frustrante la fin. La fin, elle est horrible. Mais la fin, j'adore ce genre de fin. Bon, on spoil pas mais aux gens, mais ouais, la fin est trop bien. Enfin, la fin est trop bien. La fin, elle est. Qu'est-ce qu'il y a, Sofiane? Je sais pas. La fin, il est parti. Il arrache quitte. Ad Astra l'a fait racheter. C'est à cause de James Gray. Pardon, excusez-moi, j'ai été coupé. Ad Astra, il y avait tellement de hype pendant longtemps. Genre, je l'attendais depuis un bon moment. Tu sais, quand ils avaient sorti les premières images de comment il s'appelle, de Brad Pitt. Comme il s'appelle. J'ai fait, oh putain, yes. C'était de la merde. Pourquoi? Parce que je sais pas ce qu'il... En fait, j'ai l'impression qu'il savait pas ce qu'il voulait faire. Et ça prenait trop de temps. Et à la fin, c'était pour avoir juste une rencontre, une vieille conversation avec Tommy Lee Jones. Oh, incroyable cette conversation. Justement, enfin, tout le sujet du film, c'est sur ces retrouvailles. Tout le but du film, c'est sur ces retrouvailles. La conversation, tout ça pour une conversation, c'est Apocalypse Now. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, mais Apocalypse Now, t'avais plus de tension parce que le personnage de Marlon Brando, je me rappelle plus le nom du truc,
de son personnage, il a quand même... Tu commences avec un putain de truc, c'est-à-dire qu'il est au Vietnam, il s'est créé un culte, et le gars, c'est genre, il est vénéré et tout. Du coup, tu pars avec une putain de base, déjà, et tu te dis, mais c'est quoi ce personnage, tu vois? Alors que là, t'as juste Tommy Lee Jones, quoi. C'est le non, papa de quelqu'un. Après, justement, Tommy Lee Jones aussi, il a fait une... Quoi. Il a tué tous ses potes, je crois, Tommy Lee Jones, le personnage, dans le film. Ouais. Il a tué tous ses potes. Non, mais ça a rien à voir, mais oui, c'est vraiment le Apocalypse de la fin de l'espace, quoi, à Ad Astra. C'est un très bon film. J'adorais. Ouais. Alors, du coup, vous avez parlé d'un truc, des trucs flippants et tout, etc. Bon, on est un peu en retard avec Halloween et tout. C'est quoi, genre, pour toi, Théo, et peu aussi pour Abel et aussi pour moi, c'est quoi, genre, la scène qui vous a le plus choqué dans un film qui était pas du tout un film d'horreur ou... Enfin, voilà, qui vous a traumatisé, je sais pas, étant enfant et tout, dans un film de famille, un film... Genre, un truc qui vous a... Shazam. Ça date de... Ça date de... Il y a 2 ans, frère. La scène dans le bureau, quand il y a tous les monstres qui arrivent. Sérieux, vous en avez pas? Moi, j'en ai plein. J'ai aussi moi, Harry Potter 2, en fait. Ça m'a fait arrêter de regarder les Harry Potter. J'ai regardé les Harry Potter, quoi, il y a 2 ans. Parce qu'Harry Potter 2, le serpent, à la fin, c'est... Et je me suis chié dessus, littéralement. Je me suis chié dessus. Moi, c'est plus les araignées, moi. J'ai fait caca sur moi. Les araignées, les serpents. Maman. Le fourche-langue ne te sera d'aucun secours, il n'obéit qu'à moi! Ma mère m'avait dit ne les regarde pas tout seul, tu vas avoir peur. Je fais non. C'est Harry Potter. C'est un homme. C'est Harry Potter, ouais, je suis pas embêté. Oh putain. Harry Potter, il a pas peur, moi j'aurais peur. Les araignées, moi c'était les petites araignées que le basilic qui me faisait peur. Il y avait tout, aussi genre tout l'aspect mystérieux et tout. Avec. Genre il y a une vibe genre horrible dans Harry Potter 2 qui fait que. Alors, en train d'écrire avec du sang et tout sur le mur, t'es là. Oui. T'as 12 ans, tu fais. Mais il y a des films, moi je pouvais pas regarder, j'étais trop. Genre le Seigneur des Anneaux. Moi j'arrive au collège, je donne le Seigneur des Anneaux, je faisais. Mais moi j'ai pas envie de regarder ça maintenant, j'attends d'avoir 14, 15 ans et ensuite je regarde. Le Seigneur des Anneaux, je voyais des extraits à la télé. J'avais commencé le 3 en premier, je l'avais acheté en DVD, je savais pas ce que c'était en fait, du tout. Et on me l'avait offert, je crois, je sais pas quoi, en DVD, Le Retour du Roi. Et en fait, la première scène, c'est une scène genre hyper joyeuse, tout le monde la connaît, tu vois, genre avec Sméagol et son pote et tout. Et après, il trouve la bague, et après genre, il y a toute la séquence de métamorphose, et ça m'a traumatisé à vie. Genre, même maintenant, là, j'ai du mal un peu. En scène qui m'a traumatisé, mais pas film d'horreur. Il y a dans... Après, si tu trouves pas, tu peux prendre un film d'horreur. Après, non, c'est pas un film d'horreur, justement, du coup, pour te suivre. Mais genre, c'est un film récent, c'est Under the Silverlake. Et ça me faisait flipper, parce que dans le film, des fois, dans le film, il y a des scènes où il y avait une meuf avec un masque qui marchait genre comme ça, qui marchait en arrière comme ça, et elle faisait pas de bruit et tout. Et elle marchait vers le héros du film en faisant aucun bruit et tout. Et ça faisait super, peur. Ça me faisait super peur. Je vous rappelle. Ça me faisait super peur. Il faut que je le revoie ce film, c'est un chef-d'œuvre aussi. Moi aussi, il faut que je le revoie. J'ai l'impression de ne pas avoir eu toute la matière pour le comprendre, tu vois. Genre, il a besoin de visionnage et de revisionnage. Ouais. Ça fait grave penser à un film de Lynch d'ailleurs. Ce... Il y a de l'inspiration. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est inspiré entre Hitchcock et Lynch, je pense, ce film. Mon regard film meilleur Spider-Man. Sous-côté, waouh, calme. Oula. Moi, je suis le mec qui dit des propos choc un peu. Vous pouvez pas dire ça. Si, je peux. Tu peux pas dire ça, mec. C'est un long débat. Bordel. C'est un très long débat pour une version longue de 12h30 que vous trouverez. Non, mais du coup, ça fait une transition sympa avec. Parce qu'on a parlé du coup de Game of Thrones, de la histoire qui t'inspire, mais il y a Marvel aussi. Théo, t'es... Ah oui, attends. T'es un grand fan de Marvel. Marvel Universe. Ouais, Théo, là... Moi, je suis un Yankee de Marvel. Comme son t-shirt, comme son pull le dit, tu vois. Moi, c'est Marvel. C'est Yankee. Alors, Marvel, dis-nous pourquoi c'est de la merde, Marvel. C'est de la merde.
C'est trop de la merde. C'est, pas du ciné... c'est pas du cinéma, Marvel, moi je le dis. C'est du cinéma. Eh, hey, Scorsese, écoute-nous bien. Écoute-nous bien, espèce de vieux. Tes films, c'est de la merde, ok. Nous, on fait du cinéma. Marvel. Je sais pas si t'as vu Hulk. Il est assez mémorable. Mais non, mais je comprends. Je comprends en vrai, je comprends ce qu'il veut dire quand il a dit ça, Scorsese. Mais pour moi, ça reste quand même du cinéma dans le sens, bah, y a des gens qui travaillent derrière, quoi. Et... Oui. Et ça sert au cinéma, quoi. Après, je pense qu'il parlait de l'art pur du cinéma, oui. En gros, éviter de faire la même chose à chaque fois et de changer à chaque fois, de révolutionner, d'avoir un petit peu d'originalité, pas dans les visuels, je sais pas quoi, mais dans le scénario, dans les personnages, dans l'écriture. Ouais, bien sûr, mais après, voilà, tout au long de l'histoire du cinéma, il y a toujours eu des gens qui ont dit que ça, c'était pas le cinéma, ça, c'était pas le cinéma. Mais bon, je pense que c'est... Ouais, c'est subjectif. C'est subjectif, ouais, c'est subjectif. Là, hein, mais je trouve que c'est... C'est une démarche assez, pas dommageable, mais un peu trop extrême de dire que tel ou tel film soit pas du cinéma, quoi. Même si c'est vrai, mais moi, je peux le dire. Par exemple, quand tu montres des films comme After chapitre 1 ou 51 degrés, oui, tu vois, je te dis ça, tu vois, c'est pas du cinéma. Mais je respecte quand même, parce que je sais qu'il y a des gens derrière, des techniciens derrière qui ont bossé dessus pendant pas mal de temps et tout... Du coup, je pense qu'il faut quand même... non, ça après, passe. Ils ont bossé... ils ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent. Oui, mais il y a quand même tu dis qu'il y a quand même des techniciens, des mecs qui ont bossé derrière toi. Donc, je trouve que c'est plus pour eux que ça me gêne de dire que c'est pas du cinéma, en fait. Plutôt que pour le film en lui-même. Ouais, c'est après, vrai. Je pense qu'il y a le truc... Tu vois, par exemple, est-ce qu'on va dire que McDonald's, c'est de la cuisine ? Est-ce qu'on va comparer McDonald's ou... Oui, bien sûr. Putain, Abel, ça, tu vois. Non, mais c'est... Je vais taper Freud, maintenant. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais après, ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Enfin, pour tous les domaines. Hein. De toute façon, on peut dire que... On peut dire, après, ça dépend, parce qu'il y a des bons blockbusters. On peut dire que, ouais, les blockbusters, c'est peut-être le fast-food du cinéma. Je sais pas. Mais ça, c'est assez apparent, quelquefois. Ça, c'est un bon titre, ça. Ouais. Le film Marvel, j'ai trouvé. Le fast-food du cinéma, point d'interrogation. Mais dans le sens où il y a des très bons fast-food, comme il y a des très bons blockbusters, tu vois. Par exemple, quand je pense à des films comme Infinity War ou même The Dark Knight, etc., ce sont des très bons blockbusters, comme on peut trouver des très bons fast-food. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je pense qu'il faut pas mettre tout dans le même panier, quoi. Par exemple, évidemment qu'un film comme Godzilla 2, c'est le fast-food du cinéma, quoi. Mais bon. Oui, tu t'attends pas à Godzilla 2. Godzilla 2. J'aime pas le film Godzilla 2. Tu l'as vu ou pas? Il est bien ou pas? Non, mais en vrai, en termes de photographie, il y a des plans qui sont beaux. Ah, mais c'est pour ça, je dis. C'est pour ça aussi, parce que dans tous les blockbusters, il y a des plans, franchement, c'est... Ouf, mais franchement, je trouve que t'as bien résumé le truc en disant que, en gros, c'est du fast-food. Ouais, littéralement, tu t'attends pas à du gourmet, de la haute qualité niveau de nourriture. Tu t'attends à ce que tu t'attends d'habitude et puis tu kiffes. Et puis c'est tout. Je pense que te remplit le ventre. Je pense qu'on peut même, à ce point-là, c'est plus un moment de famille comme nous les offrent des restaurants comme McDo, par exemple. Quand tu vas voir un film comme Endgame, tu veux retrouver des personnages que tu affectionnes. Comme au McDo, tu vas retrouver ton Big Mac, tu vois. C'est un comparatif ultra bizarre, mais c'est un peu le même délire. De ouf. C'est ultra bizarre. Sans transition McDo, gars. Ouais. Mais dans le sens où, je pense que les Marvel, c'est plus des très bons moments. Enfin, on l'a vu tous ensemble quand on était voir Infinity War ou quand on avait été voir Endgame au Grand Rex. C'est des moments, c'est du spectacle. On met un extrait là maintenant ou pas? Parce que j'ai des vidéos. Allez, j'ai des vidéos quand on crie, mec. Extrait. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
enfin parce que je suis tellement heureux de retrouver cet univers. Enfin ça porte tellement de heureux. Ah, oui. Je sais que c'est pas des, je sais très bien au fond de moi que c'est pas des très grands films. Mmh. Mais je vis un moment d'extase pure parce que ça s'apparente à c'est du grand spectacle, c'est les mêmes émotions que tu peux ressentir dans des manèges, c'est ce qu'avait dit Scorsese en plus, c'est ces sortes d'émotions là que ok c'est pas ce que t'es censé forcément vivre au cinéma, mais c'est quand même ouf de les vivre, je pense. Bien sûr, bah ouais. Et je pense qu'il en faut aussi pour tout le monde. Il faut du cinéma pour tout le monde. Et les gens qui veulent. Ah oui. Et puis les gens qui veulent vivre ces sensations-là. Ouais, c'est ça, la beauté du cinéma, c'est que de toute façon. C'est ça. Si tu veux regarder ton film tchèque de 8 heures, regarde ton film tchèque de 8 heures, mon gars. Écoute. De ouf, frère. De ouf. Ils ont tout. J'avais lu un truc, un film qui allait durer 24 heures, un truc comme ça, genre. Ah oui. Genre non-stop. C'était bizarre. Tu l'as vu toi aussi sur une plage? Ouais, sur la plage, sur la plage, là, c'était bizarre, en noir et blanc, là. Oui, voilà, exactement. Alors, attends, faut que je le retrouve. Mais en tout cas, c'est un film. Ils ont sorti une bande-annonce qui dure 7 heures, je crois. Quoi? Je rigole pas. Mais ça a aucun sens, c'est nul. Ah ouais, mec. Attends. Mais c'est un délire, c'est un délire. C'est un délire de fou, en vrai. C'est un délire c'est vraiment poussé. Expérimental, ouais, comme on l'a vu durant nos 3 années de licence. Ouais. C'est vraiment 2 personnes sur une plage avec un drap sur la tête en train de marcher au ralenti. Ouais, ouais. Après, prendre des cailloux, de les assembler, de les faire tomber, de sauter en arrière. Genre des trucs là, c'est vraiment chelous. Quoi. Même limite, c'est démontrer à quel point le cinéma, ça représente la vie, quoi. Parce que du coup, t'es là, tu vis 24 heures et je pense, t'as trouvé le film, il va paraître 24 heures aussi interdit. Parce que vous voyez ce que je veux dire, mais dans le sens où. Bah, le temps du film va être équivalent au temps de notre visionnage. Oui. Je pense. Ça se trouve, c'est pas ça, hein, mais je pense que c'est ça, c'est peut-être ça l'idée, quoi. C'est... Ouais, non, mais. C'est pas bon. Je raderai pas ça, je pense. Hein. C'est juste que. Ouais, mais personne. Dire, moi, j'ai fait le film le plus long au monde, tu vois. Exactement. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et je crois qu'ils avaient écrit un truc dans la description. Où ils disaient qu'ils allaient le faire passer. Après, c'est de la merde, je pense que c'est de la merde. C'est juste un coup de pub et tout. Ils avaient dit qu'ils allaient passer sur toutes les chaînes du monde. Je me suis dit, alors attendez. Déjà, c'est pas possible. Déjà, c'est pas possible. Vous n'avez pas l'argent. Ça coûte au moins 48 milliards. Tu vois, genre, c'est pas possible. En vrai, je suis sûr que Arte serait intéressé par le faire. Une chaîne comme Arte va le faire. Mais même Arte, c'est hardcore. Tu peux pas te prendre une chaîne pendant 24 heures, mec. Il y a des gens, ils ont payé pour mettre leur pub, pour mettre leur truc. Tu peux pas te permettre de prendre. Sauf s'ils ont beaucoup d'argent, mais ça m'étonne grave, tu vois. Mais là, bref. Un film ultra chelou, ça avait fait le tour sur Twitter et tout. Ils avaient dit putain, c'est un film flippant, sataniste, je sais pas quoi. Parce que ça a vraiment la gueule, le truc sataniste, mais la vérité, tu prends tous les films expérimentaux qui existent, tu peux toujours dire que c'est sataniste alors que c'est juste de l'art. Enfin, c'est juste innocent, je trouve. Mais du coup, ouais, voilà. Bon, j'ai pas retrouvé l'extrait, mais je mettrai. On le trouvera et on le mettra. On mettra un court extrait de 2h30. Du coup, je vais lancer le petit jeu. Du coup, il est l'heure de lancer le petit jeu qui s'appelle « Si tu connais, eh ben vas-y wow. !» Si tu... Mec, les titres, on les a trouvés dans un temps record. Si tu connais, eh ben vas-y. Si tu connais, bah vas-y. Tu vas comprendre pourquoi. Oh, du coup, voilà, le but du jeu, c'est... On te donne quelques dialogues de films et t'essayes de deviner d'où elles viennent. C'est censé être... que des films que tu as vus ouais. Et que tu adores. Ah, okay. Que tu aimes. Okay. Donc si tu les connais, bah vas-y. Ok. C'est dur, hein. C'est dur. Sérieux, c'est dur. T'aurais dû faire du plus facile ou plus compliqué, je sais pas. Je fais du plus facile ou plus compliqué. Bah, je sais pas, comme tu le sens. En vrai... J'ai peur. Capitaine, j'ai une opinion à ce sujet.
À la façon dont je vois les choses, cette mission est juste une mauvaise utilisation de formidables ressources militaires. C'est une sorte que Dieu m'a donné un don spécial qui fait de moi. Ça veut dire un truc. Attends. C'est chiant. Refais-le. C'est tu braques, tu te casses. La scène dans le canapé. Court extrait. Capitaine, j'ai une opinion à ce sujet. À la façon dont je vois les choses, cette mission est juste une mauvaise utilisation de formidables ressources militaires. Il me semble que Dieu m'a donné un don spécial qui fait de moi. Ah, mais je sais. Enfin, je sais le film, mais je sais pas la suite. Attends, il faut savoir le film ou il faut savoir la suite de la phrase? Non, le film. Ouais. Le film? Ok, bah je sais ce que c'est. Est-ce qu'on peut lui laisser genre deux questions, genre par exemple, est-ce que ce film a été récompensé ou est-ce que je sais pas quoi, tu vois? C'est un film qui a été récompensé, c'est un film dont on a parlé tout à l'heure. Damn. Ah, c'est Soda Ryan. Voilà. prononcé par Daniel, le personnage qui s'appelle Daniel Jackson. J'ai eu un doute, moi je me suis dit c'est Forrest Gump au bout d'un moment. En fait, c'est Captain qui m'a fait l'œil. Et putain, bravo. C'est un dur, point ouais. Pour, pour Gryffondor. Bon, c'est grâce à l'aide hein, quand même, mais oui. Et je suis chaud là. Ok. Deuxième. Damn, ok, c'est parti. Tu sais quelle est ta place, accepte-la, sois une chaussure. Sois une quoi? Snowpiercer. Une chaussure. Snowpiercer. Bien joué, putain. Damn, je veux keep your place. Know your place. Tu sais quelle est ta place, accepte-la, sois une chaussure. Refais le geste. Il dit sois une chaussure. Tu vois. Damn. Oui, oh, il dit sois une chaussure, damn. Je m'en fais plus. J'aime tellement ce film. À quel moment? Chris Evans, c'est un bon acteur. Tu sais, c'est quand... À quel moment il dit ça? Hein? À quel moment il dit ça? C'est quand elle lui lance, quand il y a, tu sais, le père du gamin, tu sais, parce qu'ils vont... Il y a la meuf qui vient dans le wagon inférieur, dans les wagons des gens pauvres, on va dire. Excuse-moi de parler comme ça, mais voilà. Ils sont quand même pauvres, dans le ouais. Truc. et puis, en gros, ils vont prendre des enfants, et il y a un des pères des enfants qui, du coup, se révolte et tout, et qui balance une chaussure à une meuf de l'état-major... Et du coup, il y a le personnage de Tilda Washington qui débarque et du coup, qui fait un gros speech sur pourquoi ils doivent être soumis à l'ordre de Wilford et tout, etc. Et du coup, alors ah oui, ok, d'accord. Keep your place, not your place. Et après, elle fait son geste incroyable. Putain. Sinon, j'allais dire le train, c'est la vie, nous sommes l'humanité. Mais ouais. Ah non, là, ça, le trop, train, c'est la vie, frère. C'était trop facile. Bon. Pas qu'à tous les films. Snowpiercer. Ok, une troisième. La série. Incroyable. Mmh. Ah bon? Ah ouais? Tu l'as regardé? Non, c'est pas vrai, je mens. Apparemment, c'est pas terrible. J'ai entendu de très mauvais trucs. Ouais, apparemment, c'est pas ouf du tout. Ouais. Moi, j'ai vu des bons trucs aussi. Ah? Okay. Ah! Et après, tu t'es réveillé? Ouais. C'était un cauchemar. Vas-y. Ok. Bon, non, ça, c'est vraiment compliqué, par contre. Auriez-vous succombé à un soudain amour de l'art? Oui, l'art de sauver ma peau. Die Hard? Ah, le tricheur! Die Hard? Quoi? Die Hard? Non. C'est vrai que ça ressemble à une réplique... Ouais, de Bruce Willis. Non! il sauve pas sa peau. Il sauve pas sa peau. Oui, l'art de sauver ma peau. Damn! Ah ouais, c'est ça? Ah, c'est dur. J'aurais jamais pensé. Ah, merde. T'as vu le film? J'ai vu, ouais. Enfin, non, j'ai pas vu. Je sais ce que c'est. J'ai vu le film, moi, Ben? Oui. C'est un acteur que tu kiffes. Oui, c'est un acteur que tu kiffes. C'est un vieux film. C'est un vieux film. C'est pas un vieux film, c'est un vieux film. Genre, il y a longtemps. Genre les Frères Lumière. Non, bah, j'exagère. Quelle décennie, c'est l'année 60, 70? Années 50. On sait année pas, 50. On l'a trouvé dans une grotte, le film. C'est pas la mort aux trousses, ça? Putain, mais bien joué, hein. Gardez, hein. Bien joué.
Ouais, j'avoue que là, il dit ça en moi. L'art de sauver ma peau, c'est pas mal. Elle me retrouve, c'est incroyable ce film. Regarde-le, ce film, il est trop bien. Mais la mort retrouve, je l'ai vu, le connard. Je l'ai vu, putain. T'es que t'avais pas vu le film. Je l'ai vu. La mort retrousse. Ah, peut-être que je l'ai pas vu. Ah, si, je l'ai vu, si, je l'ai vu. Mais t'es malade, toi. T'es malade. Si, je l'ai vu. Non, je dis en vrai, Hitchcock, il a fait beaucoup de films, mais il y en a. Allez, 10 qu'il faut voir absolument. Tu vois, ouais. Il a fait plus de 40 films, un truc comme ça, plus d'une trentaine. Ah, plus. Ouais. Plus. Plus. Parce que lui, là, je crois qu'il a commencé à faire des films dans la période du Mouet, donc. Donc, je pense ouais. Il a dû faire des films des années 20 jusqu'aux années 60. Donc, il, ouais. Il a dû en faire, je pense, 50, wow. 60 des okay, films. Ok, ouais, ouais. Il a fait pas beaucoup. Ouais. Mais ouais, il y en a. Il y en a une bonne dizaine quand même à conseiller. Ouais, une bonne dizaine. Une bonne dizaine. D'ailleurs, j'ai fait un top 10. Les oiseaux psychoses, sueur froide. Ouais. Sueur froide, c'est un des ceux que j'aime le moins d'Hitchcock, par exemple. Alors, je sais que genre tout le monde parle de Sueur Froide, je crois qu'on parle d'Hitchcock, moi c'est un de ceux que j'aime le moins de. Enfin, c'est un très bon film. C'est lequel que tu préfères? Moi c'est Psychose. C'est Psychose. Psychose. D'ailleurs, c'est un des films préférés, Psychose. Le film que tout le monde aime et que j'aime pas, genre exceptionnellement, c'est Fenêtre sur cour. Ah, je préfère Sueur Froide à Fenêtre sur cour. C'est mon préféré. Fenêtre sur cour, c'est mon préféré d'Hitchcock. J'ai vu, alors rien à voir, mais ça à voir un peu. Je sais pas si vous avez vu sur Sens Critique. J'ai vu. Pour la première fois et en entier, Citizen Kane, que j'avais regardé. Ah oui! J'ai mis un 10, mais direct. Ah, ouais. Direct. Tu le connaissais ou pas, le twist? Je connaissais la globalité de l'histoire. Mais tu savais, en fait, ce que... La fin, enfin... Ah non, je savais pas. Non, je savais pas. Ah, je savais pas. On a joué une scène de Citizen Kane... On a fait un remake d'une scène de Citizen Kane. Ouais. Un petit j'ai joué dedans. Moi je jouais Kane. Moi. C'est incroyable. Tu jouais Kane. Oui, tu jouais l'enfant. Oh, on va faire une comparaison de ces deux vidéos. De Théo qui balance le truc là. Et après ça a remonté sur le vieux papier qu'on a collé. Ça fait tellement longtemps. C'est incroyable, ça. Incroyable. Qui est resté pendant 3 ans en plus au restaurant Kane. Dans la fac, ouais. Et puis il y a Hugo qui joue le père avec... alors qu'il est imberbe et tout. Moi j'avais improvisé un truc, j'avais dit jusqu'à ce que la mort, je sais pas quoi. Oui. Jusqu'à ce que la mort fasse. Fasse effet. Ouais, t'avais personnifié la mort en fait. Jusqu'à ce que la mort arrive. Ensuite. Ouais. Jusqu'à ce que la mort arrive ou un truc comme ça. Oui, jusqu'à ce que la mort. En plus, il y a une hésitation jusqu'à ce que la mort arrive. Oui, j'avais oublié. On l'avait appris il y a 5 minutes. Mais ouais, j'ai regardé. Mais en fait, Orson Welles, c'est pas l'un des meilleurs acteurs de tous les temps, quand même. Des réalisateurs. Parce que. Orson Welles, c'est très fort. Acteur, oui, réalisateur. Alors, la réalisateur a même pas discuté. Mais acteur. Il fait une putain de performance dans le film, je trouve, c'est dingue, genre, il arrive à jouer le vieux, c'est le vieux, genre, intelligent et genre, sage, un peu, et le jeune, genre, au début aussi, il joue le jeune qui s'en bat les couilles, un peu, voilà, bam, genre, dans le business, et genre, bref, c'était impressionnant. Il a une voix, en plus, que je... Bah moi, je vous avoue, j'ai pas été très très marqué par Citizen Kane. Alors c'est un très bon film et tout, mais il m'a pas mis une grosse claque comme d'autres ont pu le faire. Mais là, c'est vrai qu'il faut que je... Ah, moi, la réalisation, elle est incroyable. C'est vrai qu'elle révolutionne beaucoup de trucs. C'est son premier film, mais... Ah ouais, non. C'est le meilleur premier film de tous les temps, je pense. Ah oui, alors là, oui. Moi, je... Direct. Parce que en fait, le truc qui m'a choqué, c'est le fait d'avoir genre... En fait, il a compris ce que c'est le sens de littérature visuelle, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que au bout d'un moment, il fait un jeu d'ombre et de lumière, en mode il parle avec ses potes et il est dans l'ombre parce que il montre sa personnalité genre personnelle et intime avec ses potes, et puis quand il y a un gars du journal qui arrive pour lui poser des questions, il sort de l'ombre, il est dans la lumière, il est dans le spot, et il joue un personnage, il fait ouais t'inquiète pas, nanana. Et après il repart dans l'ombre, et je me dis putain mais c'est... Ah, bref, c'était du génie,
incroyable. Et j'avais capté le bail du. J'avais capté le bail du de son truc là, du truc à neige, comme quoi il y avait un truc. Ouais, sa luge, voilà exactement, comme quoi c'était Rosebud. Parce qu'il y avait un plan de la luge avec genre un peu un truc floral sur le côté. Un peu type fleur sur le côté. Et je me suis dit, ah, c'est, ça ressemble à une fleur quand même. Et du je coup. Je conseille voilà. La Dame de Shanghai, la fin, elle est. Ouais, faut que je vois Dame de Shanghai. Et. Dame de Shanghai. Ça fait du mal aussi. Ça fait du mal, très très bon film. Ah ouais, Dame de Shanghai. Ça soif du mal aussi. Ça soif du mal, le plan séquence du début, il est. Mmh. Avec la voiture et la bombe qui explose. Ma mère qui est là. Bonjour. Ah, j'ai pas reconnu. Ah, tu m'as pas reconnu. Je t'ai dit de pas rester. Bonjour. Hey, mais qu'est-ce qu'il fait avec son bonnet? Bah, c'est j'ai quoi, froid à la dame, tête. Allez, allez. Maman. On garde l'intégralité de cette scène. On va flouter sa tête si tu veux, mais on garde l'intégralité. Ah, putain, non, ou pas. Tu pourras la garder. Ah, finesse. Tu seras contente. Ah, il va faire un film sur Harry Weinstein. Voilà, un film d'horreur en plus. Ah, de Palma? Ouais. Un film d'horreur sur Weinstein. Moi, le dernier film d'horreur. Que j'ai bonjour. tu veux faire un Kill Bill? Viens là, Tarantino. 2020, année de merde. Ouais, année de merde, ouais. Putain, cinéma. Les cinémas, quoi. Les cinéphiles sont en train de crever. Ouais, on vous soutient, les cinémas. Et tous les oui, qui travaillent dans les cinémas. De manifester, à 20h on applaudit pour les cinémas, à 20h05 on se met un petit film. On devait parler aussi du coup des projets à venir quoi, genre de tout ce qui qu'est-ce qui te fait vibrer toi dans le futur, quand tu penses au futur, qu'est-ce qui te fait moi vibrer dans le cinéma? Ouais, dans le cinéma, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ouais, tu peux parler de Faction, de peut-être parler de futurs projets et tout ça. Voilà, un peu hypé. Qu'est-ce que gens, tu réserves pour la suite? Déjà, moi, j'aime plus particulièrement, ce que j'aime dans le cinéma, c'est de créer des histoires, de raconter des choses à n'importe qui. Et c'est ça que j'aime, c'est créer un univers, des personnages et leur faire ce que je veux, quoi. Comme des personnages, des figurines quand on était petits, quoi. C'est ça que j'aime dans le cinéma. Et bah du coup, pendant ce confinement, j'ai pu faire pas mal de choses. J'ai écrit pas mal de trucs que j'espère on réalisera bientôt. Et puis voilà, il y a mon prochain court-métrage qui normalement devrait sortir d'ici quelques mois. Quelques jours. Donc demain il sort. Là on est actuellement dans un studio, c'est un fond vert derrière nous, on est en train de le tourner. Là on est en pleine pause. Non mais tout va bien. Ouais. Yes, bah. On bosse avec ce fan jour et nuit. Donne une date maintenant. On veut une date. 2024. Donnez Messis, je pense. Ah bah Messis déjà, tu veux en parler maintenant? Tu veux. Ah, Nemesis, ça serait, je pense, juin-juillet, je pense, à peu près. Juin-juillet. Peut-être plus. Ah, c'est possible. Peut-être plus. Un plan avant. Ah, peut-être plus, parce que si je veux le mettre en festival, le temps que, tu vois, que les festivals, ils aient eu lieu, etc. Mais je pense que, ouais, je vais peut-être l'emmener à des festivals plus locaux. Comme disait Abel la dernière fois, et pas forcément des grands festivals de courts-métrages, puisqu'en vrai. Bah ouais, en soi, autant montrer, représenter, tu vois, dans la région, et après. Ouais, c'est ça. Aller de plus en plus, comme Abel a dit la dernière fois, quoi. Ouais, c'est ça. Je serais plus dans ce plan-là, je pense. Mais c'est d'autant plus qu'en plus, c'est presque un moyen-métrage, donc ça va être compliqué de le caser quelque part et tout. Il va être long pour un court-métrage, quoi. Il y a beaucoup de festivals qui font le temps maximum à 20 minutes. Et Nemesis va faire plus de... Oh, je fais beaucoup d'exclus, là. Nemesis, il va durer peut-être entre 25 et 30 minutes, peut-être.
C'est vrai. Je n'aurais compris du coup. Mais j'ai hâte. Ouais, il va être. J'ai hâte qu'on le Il va être bien. finisse. J'ai hâte qu'on le finisse. Ouais. Pour le Du montrer. coup, est-ce que tu veux quand même genre teaser un petit truc sur quoi ça parle ou pas du tout? T'as envie de rester dans le silence Bah, tout ce que je. complet. Parce que ça parle d'un. D'un jeune gars qui, après avoir été séquestré pendant pas mal de temps, il souhaite retrouver sa liberté et la femme qu'il aime. Voilà. Damn. Ok, on va écouter, Ouais. c'est balancé en scoop, Ouais. en exclu, On se coupe. On est pour sur F-Talk Show. F-Talk Show, mon gars, putain. Il y aura des jaloux, hein. Hollywood Ouais. Reporter et tout, on était premier, on a eu les news. Variety et tout. Ok. Non, puis non, j'étais très content de le faire. Puis c'était le premier gros projet de. Enfin, je pense que c'était une étape qu'on a franchie avec Faction, ce film. Et je pense que ça se Bah verra. ça... Et je pense que ça se verra, je Ouais. pense. Oui, bah Ouais. ce que j'allais dire, excuse-moi, c'est que ça a été un autre, à une autre échelle, quoi. C'était... On a jamais eu autant besoin de ressources, que ce soit chez les personnes, dans les acteurs, la figuration, les lieux, etc. C'est à ce jour l'un des plus gros projets Ouais, c'est ça. du collectif. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a pu Voilà, quoi. faire des rencontres un peu. On a rencontré Joss, on a pu rencontrer d'autres personnes, des ingé sons, des acteurs, etc. On a fait le on a fait un casting et tout avec Sarah et Justine. Bref, c'était fou, c'était trop bien. Puis même, enfin, j'ai Bah ouais, c'est de super. de digérer, enfin de digérer, enfin de digérer. Qu'est-ce que je raconte? De diriger une vingtaine de personnes et tout, c'était assez fou quand même. Quand tu dis Joss, on est d'accord, on parle de Joss Whedon. Exactement, Joss Whedon, ouais. Joss Whedon qui était sur le tournage et... Ouais, Ouais. mais Il est quand arrivé, il m'a la filé Talaga. J'ai adoré. il m'a filé trois J'ai vécu une petits expérience. il m'a filé trois Il a fait petits le retour sur Justice League. Je allez reviens dans 2 minutes. C'est pas long, hein, t'inquiète. Sinon, ça écrit, ouais, ça a écrit ça. hein, avec Sofiane tout. Non, ça on coupera. Mais en aparté, mec. Je tiens un putain de truc. Ah Je t'en parlerai. Ah ouais. J'en ai parlé peut-être un petit peu à Abel, mais genre vite fait, genre à la surface de ouais. l'iceberg. Mais ouais, j'ai des. J'ai un... On a un bon truc là. On pourrait parler un petit peu de Faction et dire ce que dans le futur, où est-ce que tu nous vois, enfin, tu lui présentes un peu Faction, un peu ce qu'on a fait, On par conclut contre. sur ça? On conclut sur ça, Abel? On peut conclure sur ça, ouais. Ouais, ok, On conclut sur ça. ça Vas-y. marche. Bah du coup, ouais, Faction, on est un collectif de jeunes cinéphiles et cinéastes. Bah, ça fait maintenant 3 ans qu'on se connaît et ça fait plus de 2 ans qu'on fait des. Même pas, ça fait presque Plus de trois ans. 200. Ça fait presque 3 ans qu'on fait des projets ensemble. Et du Ouais. coup, là, on arrive un peu à une année charnière qui va être 2021. Ou peut-être on va devoir aller un peu plus loin dans nos démarches de cinéaste, c'est-à-dire à faire des subventions, à aller toquer à la porte de production, etc. De proposer aussi des choses un peu plus. Enfin, moins consensuelles et moins conventionnelles, comme tu disais, Abel, d'ailleurs, quand c'était parlé la dernière fois. Voilà, bah je nous vois, moi, l'objectif que j'ai avec Faction, c'est qu'on soit à terme une boîte de prod, hein, c'est, je pense, l'objectif de tout le monde. Et que après l'année 2020 était compliquée pour tout le monde, surtout pour nous, parce que du coup, on a pu faire là depuis le début d'année que 2 projets. Et bon, on s'adapte, hein, on a pu à côté écrire beaucoup. J'ai l'impression qu'on a beaucoup écrit. Et du coup, bah, Ouais. c'est cool. Et voilà, j'espère l'année prochaine, on va pouvoir faire beaucoup plus de projets. Enfin, je pense que c'est sûr même. Enfin, j'espère. J'espère. Parce que Covid, c'était un Oui, peu bien pète pas les sûr. couilles. Voilà, j'espère faire plus de projets. Puis je nous vois à Cannes dans 3 ans. À Cannes dans 3 ans. Putain, vous l'avez entendu ici, le bordel. On est dans la Cannes en merde. 3 ans.
Du coup, rendez-vous en 2023 pour le prochain épisode de F. Non, mais voilà. Mais, spécial Cannes. C'est vrai, t'as raison, Théo, en disant ça, enfin, qu'on est un peu. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est des conditions un peu compliquées. Concernant les boîtes de prod, tout ce qui concerne le cinéma, que ce soit dans la diffusion, mais pas que, c'est-à-dire dans la production, etc. Pour des petits groupes comme nous qui n'avons pas, entre guillemets, la notoriété, j'ai envie de te dire, ou même contre d'autres personnes. Le budget et d'autres trucs, quoi. Du coup, c'est sûr que c'est ça. Nous, c'est plus difficile pour tourner et puis pour avoir des droits pour tourner, etc. Du coup, on empathie un peu de la situation. Exact. Faut s'adapter. Exact, mais on essaie quand même de ouais, c'est ça. De travailler chez nous et de préparer au mieux possible à l'avance les projets, les films et tout le schmilblick qu'on doit faire, quoi. Alors on termine là, c'est bon? Ouais. T'as un dernier mot, Théo, avant qu'on fasse ta pub des films que t'as fait, etc. Avant de terminer là. Il va balancer un truc de motivation. Regarde Euphoria. Regardez Euphoria. Wow. Quoi? Sérieux? Ok. Non, je sais pas. Vive le cinéma. Regardez des films. Et quand les cinémas réouvrent, allez au cinéma. Parfait. Ok. Vive le cinéma. Vive le cinéma. C'est ça. Yes. Ça. Comme disait un merci. Merci beaucoup pour cette conversation. Vous pouvez checker les films qu'il a fait sur Refaction quand même, sur Refaction Production, sur cette chaîne. Il a fait 2-3 films quand même. Bonne soirée. Je suis un survivant, on l'oublie, mais je suis un survivant. Et tu le braques, tu te casses. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, à aller regarder nos autres trucs. C'était super, c'était nous, c'était Sofiane, c'était Théo, c'était Abel. Et à la prochaine, pour le prochain épisode, j'ai envie de dire. À la prochaine pour le prochain épisode. C'est bien ça. À la prochaine pour le prochain épisode. À la prochaine pour le prochain épisode, c'est super. Yes. Ok, clap okay. De fin. Salut. Vive le cinéma! Damn, il a dabé. Abel, il a dabé. Non, j'ai pas dabé, j'ai fait ça. Ah, ok, j'ai eu peur. J'allais supprimer tous les trucs.